Coucou les filles, donc je reviens avec une vidéo. Donc j'ai fait la découverte de deux nouvelles boutiques qui, je pense, vous feront très très plaisir. En tout cas, moi ça m'a fait très plaisir pour les filles qui habitent donc Montpellier et les alentours de Montpellier, donc Nîmes, il y a quoi d'autre, Lunel, Saint-Jean-de-Véda, enfin bon, Saint-Jean-de-Véda c'est à côté, etc. Bon, bref, Montpellier et les alentours. J'ai fait la découverte de deux boutiques. Donc la première boutique, je ne connaissais pas du tout. Donc j'avais rendez-vous chez le coiffeur. Donc voilà. Qui se trouve par là-bas. Et donc je me suis coupé un petit peu les cheveux. J'ai un peu égalisé tout ça. Et vous avez parlé de mon dégradé catastrophe. Que je m'étais fait couper les cheveux en Algérie. Et qu'elle m'a assassinée. Donc elle a essayé de rattraper ça. Mais elle m'a dit c'est... Irrattrapable, enfin qui n'est pas rattrapable, je sais pas si ça existe ce mot. Elle m'a dit vous avez qu'à, vous pouvez rien faire d'autre que laisser pousser. Donc ici elle a bien réussi, mais de ce côté, vous voyez, elle m'a, je sais pas ce qu'elle a foutu cette nana, en plus c'est même pas une jeune quoi. Elle m'a dit il me manque ici une mèche, c'est vrai, quand vous regardez comme ça, il manque. Bon bref, c'est un peu mieux. On va attendre, au moins ça rattrape un peu les dégâts. Oh, bref, c'est pas... Et donc, comme j'étais un peu en avance, alors je me suis promenée un peu dans les rues qui sont juste en face du coiffeur. Et j'ai fait la découverte de cette boutique-là. Je sais pas si vous connaissez. Ça s'appelle Nova Makeup. Donc c'est une boutique de cosmétiques et d'accessoires. Et ça ressemble, je sais pas si vous connaissez le magasin Saga. Bon, il y en a partout. Hein. J'ai fait la connaissance de ce magasin à Marseille. Ensuite, il y a à Toulouse aussi et à Montpellier ici, je pense qu'il y a d'autres endroits. Et c'est un peu le même concept, ils vendent des produits de marque. L'Oréal, bon, chez Saga, ils vendent une, L'Oréal, Essie, un peu de toutes les grandes marques, je mets Maybelline. Et apparemment, Nova, c'est la même chose. Il m'a dit qu'on était, qu'ils aient, je dis oui, vous pouvez m'expliquer. Elle me dit, ah, vous connaissez pas notre magasin? Je dis non, pas du tout. C'est la première fois que je vois, pourtant ça fait une année que j'habite ici, mais je ne suis jamais passée par là. Je dis, je connais Saga, mais vous êtes le même concept. Il m'a dit oui, on est 30% moins cher et encore moins cher que Saga. Donc voilà, donc j'ai pris ce fond de teint Perfect Match que je ne connaissais pas du tout, de L'Oréal. Ça m'a coûté 5,45€. Donc la teinte N4 beige, parce qu'il n'avait que deux testeurs, alors j'ai pas pu tester les autres couleurs, donc j'ai testé cette couleur et puis une autre couleur qui était rosée qui m'allait pas. C'est pas vraiment ma teinte, mais il m'a dit si vous poudrez ça peut aller. En tout cas c'est un beige quoi, j'aurais préféré un beige doré, mais j'ai pas trouvé beige doré parce que apparemment ils ont pas toutes les couleurs. Donc, ça se présente comme ça, on va ouvrir. Et puis, donc, dans cette boutique, il y avait plein d'autres choses. Donc, il y avait des lingettes, des maquillantes, Garnier, il y avait des shampoings, des accessoires cheveux. Enfin, j'ai pas bien fait le tour parce que j'avais peur de louper mon rendez-vous chez le coiffeur. Mais en tout cas, je repasserai et je noterai les marques parce qu'ils ont un site. Donc, c'est le site Nova Makeup. C'est ça, www.novamakeup.com. Mais j'ai été dessus, mais il n'y a rien. Ils ont dit que c'est en cours de construction. Mais apparemment depuis 2012, donc je ne comprends pas trop. Ils ne sont pas trop investis là-dessus, donc c'est comme ça. Donc la teinte, elle est comme ça. Vous voyez, c'est un peu... c'est crème blanc. Je ne sais pas si ça va aller, ça. Et il y a une espèce de... je ne connais pas le système. Rouleau, comme... je pense pour étirer la matière, oui. Donc, mais je ne sais pas comment vous faites comme ça. Comme de la peinture, en fait, et puis vous étirez. Ça peut être miraculeux. Donc je vous ferai un make-up avec. C'est marrant. Je ne connaissais pas du tout ce modèle-là. Donc voilà les filles. Donc j'ai acheté que ça. Hein, parce que j'avais vraiment peur. Mais en tout cas, j'ai vu qu'il y avait pas mal de choses de marque. Donc voilà. Hein, à voir, à retourner. De toute façon, j'y retournerai. Et je vous ferai un autre haul beauté. Make-up. Donc voilà les filles, donc ça s'appelle Nova Makeup, cosmétiques et accessoires. Et pour les filles qui habitent Montpellier, c'est à
au 64 Grande Rue Jean Moulin. Donc voilà. Ensuite, la deuxième boutique que vous allez être trop jalouse, celle qui aime cette marque. Regardez, j'ai trouvé une boutique qui vend la marque Slink Makeup. Moi, j'ai commandé par internet. Bon, la seule fois où j'ai commandé une palette. Je voulais recommander justement, et là, je suis tombée. J'étais trop contente. En plus, le petit sac est trop mimi. Donc la boutique, elle s'appelle Hype. Donc Hype, ça veut dire que ce que ça veut dire. Donc Y, ça veut dire young, P de pretty et E, elegant. Donc c'est une boutique qui existe à Montpellier et à Valence. Mais eux, ils ont un site internet. Donc le site internet, je vous le mettrai en barre d'infos. Il s'appelle cosmetic-makeup-.com. Et là, ils vendent toutes les marques qu'ils vendent, excusez-moi, je me mélange les pommes. Donc ils vendent du Slink, du Barry M. J'ai entendu parler pas mal sur YouTube de cette marque, mais je connais pas, j'ai jamais utilisé. Du Urban Beauty United, je connais pas. Du OPI, bon, je pense les vernis. Du MUA. Du Makeup Revolution aussi, que là, il y a eu plein de dupes de je sais plus trop quelle marque. Là, ils en vendent. Du Conad, je pense que ça, c'est les pinceaux, etc. Du Beauty UK. Du Next Black, je connais pas non plus. Du Mandla Monster, je connais pas. Et du Moyu. J'espère que je dis bien ces marques-là. Donc, en tout cas, Makeup Revolution et Slink, donc c'est super. Donc, ce que j'ai pris chez eux, je voulais un kit contouring. Donc, le kit contouring, il se présente comme ça. Donc, vous avez 14 grammes. J'imaginais pas du tout la palette aussi petite, en fait, parce que vous avez un autre. Ça, c'est Face Contouring. Vous avez un autre avec un blush, je sais pas trop ce qu'on m'avait dit, elle fait bien, c'est en rupture, tu sais, mais c'est pas ça. Finalement, j'ai retrouvé. Donc c'est voilà, vous avez le bronzer et l'highlighter. Et moi, j'ai pris en teinte médium. Je prends teinte médium. Ah, j'ai pas pris black. Ah oui, pardon, il y avait light ou medium. Oui, c'est ça. Donc le bronzer, il est comme ça. Parce que j'ai un de Nars dans la Cheek Palette et là au moins ça marque. Et l'highlighter. Je sais mais ça soit le bronzer, ça vous avez pas besoin. L'highlighter est comme ça et le bronzer est là. Peut-être pour les peaux blanches ça va être trop foncé. Donc ça dépend. Vous avez un petit miroir et tout. Et cette palette, elle coûte. Elle coûte 9,90€. Donc voilà. Et je me suis pris aussi, que je voyais aussi dans les vidéos, c'est un pot polish. C'est un espèce de gloss. Voilà. En teinte powder pink 942. C'est comme ça. Et ça m'a coûté 5,90€. J'en ai eu pour 15,80€. Et une fois que j'ai payé et que j'ai terminé, la vendeuse, elle me dit, oui, vous savez, pour 20€ d'achat, on vous rembourse 2€. Et j'ai réfléchi aujourd'hui, parce qu'après, je suis partie chez le coiffeur, etc. J'ai pas trop percuté. Je dis, mais franchement, elle est conne, cette fille. Elle aurait pu me dire, si vous pour 20€, on vous déduit 2€. On vous rembourse 2€, choisissez encore autre chose, comme ça vous en avez pour, 20€. Donc ça se présente comme ça, donc c'est un gloss. Voilà. J'ai essayé tous les glosses là-bas, ils marquent pas trop en fait. Qu'est-ce qu'on va mettre là ? J'ai des lighters partout. C'est le seul qui m'avait l'air de convoyer un peu la couleur. Je pense qu'il faut en mettre pas mal. Ça sent la vanille. Ouais, ça sent la vanille. Donc voilà les deux produits que j'ai pris chez cette boutique, la Hype. Donc je suis trop contente qu'ils aient la marque Slink parce que j'aime bien. Ah oui, dans le
une espèce de dépliant comme ça dans le pour montrer, je pense, le contouring. Ouais. Il y a les autres choses qui vont. Mais... Donc je suis très contente parce que j'aime beaucoup cette marque Sneak. Donc moi j'ai une palette et justement je leur ai demandé la dernière palette qu'ils ont fait, la Arabian. Elle m'a dit tiens, on a vendu la dernière hier. Je lui ai dit ah oui, oh mon dieu, je ne savais pas. Je croyais qu'il fallait la commander. Ça. Elle m'a dit non, on l'a. Mais... Je lui ai dit est-ce que vous allez en avoir? Elle m'a dit oui, samedi. D'ici samedi, je serai passée peut-être. Donc voilà. Ce qui est de mes deux boutiques découvertes. Ensuite, j'ai fait des petits achats chez Claire Morin spécial. C'était deux produits pour les cheveux. Voilà. Comme ça. C'est pour faire tenir les chignons. Ou les buns, là. Ça m'a coûté 2,50€. Il y en a 50 pièces. D'ailleurs, lui aussi, il en vendait des choses comme ça. Mais j'ai acheté ça d'abord chez Claire. Et puis ça, je les voulais en or, mais il n'y avait plus. Ah, j'ai pris vraiment 1,95€. J'ai regardé un peu tout ce qui était collier et tout. À Montpellier, bof, c'est pas très terrible. Il y avait plus des chaînes longues avec des espèces de bijoux. Voilà. C'est tout. Et j'ai aussi été dans ma pharmacie de quartier qui faisait des petites promos. Donc, moi, je voulais un exfoliant pour le visage. Doux, parce que l'autre que j'utilisais, le Vanity, ça s'appelle Vanity, il est presque terminé et je trouve que j'en ai trop fait et qu'après ma peau, je l'ai trop agressé et ça me fait des petits, comme des petits boutons, imperfections bizarres, vous voyez, ma peau elle est pas lisse. Donc j'ai pris un qui est plus doux, c'est un exfoliant doux, confort, c'est ça, des bio beautés de Nuxe. Sur le site, il coûtait 13€, je crois, et dans ma pharmacie, je l'ai eu pour 11,90€. Donc des fois, franchement, les sites internet, ils sont un peu, même chez Caudalie, je crois, ils sont plus chers que si vous achetez en pharmacie, ou chez Monoprix, ou les revendeurs de bio, de Nuxe, de Caudalie, je sais pas pourquoi d'ailleurs. C'est pas normal, normalement, ils devraient être moins chers. Donc là, c'est un 60ml, et c'est aux fruits rouges. Et c'est toute peau en fait, même sensible. Donc voilà, c'est un doux exfoliant, tout simplement à utiliser une à deux fois par semaine. Donc voilà. Et avec ça, j'ai trouvé deux choses. Parce que à la caisse, donc j'ai pris que ça, hein, bien évidemment. En arrivant devant la caisse, ils avaient mis un petit panier avec des fins de série. Et j'ai pris ces deux produits. Donc ça c'est une eau de mousse micellaire aux 3 roses. Donc c'est une mousse nettoyante visage, 50ml. Je l'ai eu à 50%. Donc je sais pas c'est quoi le prix, mais il me semble que c'était 3€ et quelques. Et j'ai pris aussi ça que je connaissais pas. C'est une eau de soin visage aux fruits vitaminés. Hydrate, énergise, ravive l'éclat de toute peau aussi. C'est comme ça. Et en fait, ils disent que agiter pour vaporiser avant votre crème et pour fixer le maquillage, en fait, vaporiser sans agiter. Donc, vous voyez, c'est biphasé. Là, il y a l'huile et là. Donc, si vous voulez fixer le maquillage, vous ne mélangez pas et ça utilise que ce produit-là. Je l'ai utilisé hier. C'est vrai que j'ai commencé à moins transpirer. Peut-être qu'il fait moins chaud, mais bon, là. J'ai la lumière parce qu'il fait gris, ça y est, c'est fini l'été. Avant, j'utilisais la lumière du soleil, là, c'est la lumière des lampes. Donc, peut-être que vous voyez que je suis un peu les reflets jaunes, etc. Bah, désolé, hein, j'ai pas d'autre éclairage que ça. Pourtant, c'est les lampes économiques, là. Normalement, c'est les lumières blanches. Mais bon. Donc, voilà les filles. Et avec tout ça, la vendeuse. Elle m'a gâtée. Elle m'a donné tous ces échantillons. Tout ça. Bon, elle m'a donné 3 échantillons du baume haute nutrition anti-tiraillement peau sensible pour le corps. Parce qu'elle a bien compris que, bien évidemment, un échantillon pour
tester, c'est vrai que c'est tout petit rikiki si c'était un tube. Franchement, c'est comme la crème des mains, quoi. J'aime pas cette odeur d'amande, quoi. C'est vrai que c'est super, il est super onctueux comme baume. Je l'ai mis sur les bras, c'est vrai qu'il hydrate super bien, etc. Mais l'odeur, cette espèce de d'arrière-goût d'amande et tout, j'aime pas trop ça. Ensuite, elle m'a donné le masque détox vitaminé à l'orange. Je l'ai déjà en pot, en fait. Je l'avais acheté par Achop à 2€ et quelques. Le grand format, là, ils vendent dans ma pharmacie à 4,50€, 50 ml. Bon, moi, je l'ai encore, il est encore là. Elle m'a donné deux après soleil. Franchement, j'ai même pas été à la plage cette année, ni rien. Donc, mais bon, on peut toujours l'utiliser comme crème hydratante. Et elle m'a donné main desséchée, machin. Ouais, ça doit être, à mon avis, la même odeur que l'autre. Ah, l'amande, quoi. Donc, voilà. Donc, voilà, en fait. Hein. Voilà, ce haul beauté make-up est terminé. Donc, j'espère que ça vous a plu. Voilà. Vous avez fait la découverte avec moi de ces deux nouvelles boutiques que je connaissais pas. Et j'en suis trop contente parce que enfin il y a des produits qu'on doit tout le temps commander sur internet. Et là, franchement, c'est 5,90€ de frais de port en moins qu'on peut mettre dans un produit, voilà, en plus. Donc voilà, merci à ces deux boutiques. À bientôt, bye bye.